Bah, l'IT, je crois que les dernières années nous le démontrent, c'est de plus en plus le cœur du le cœur du réacteur de nos vies à tous, en fait. Donc, je suis Emmanuelle Desombres et je suis directrice des ressources humaines pour les magasins Fnac d'Île-de-France Petite Couronne. Je suis Asma Jouini, je suis manager au sein de la Fnac d'Arty, des équipes d'intégration Cloud and DevOps. Alors moi je suis Caroline Duchemin, je travaille chez Fnac d'Arty et je suis chef de projet gouvernance IT. Christelle Pic, donc je suis CTO e-commerce chez Fnac d'Arty. Bonjour, moi c'est Céline Stenger, je suis directrice de la stratégie et de la gouvernance de l'IT du groupe Fnac d'Arty. Aujourd'hui, on sait qu'on doit briser le plafond de verre. Ça passera notamment par accompagner les femmes sur des métiers genrés, donc plus des métiers d'hommes, et amener des femmes à des postes de direction. Pour ça, il y a plusieurs actions qu'on doit mettre en place. Sensibiliser dès le plus jeune âge sur le fait qu'il n'y a pas de genre dans les métiers d'aujourd'hui et de demain. C'est aussi être rôle modèle, montrer aux enfants, aux adolescents, aux adultes des modèles de femmes inspirantes, des femmes ingénieures, des femmes mathématiciennes. Ça passe aussi par la sensibilisation des managers, leurs biais inconscients qu'on met en œuvre au moment du recrutement, de l'évolution de carrière. Alors le coup de baguette magique, il faut quand même qu'on ait les postulantes et les candidates en face. Donc le coup de magique, c'est que je pense qu'il faut que les jeunes femmes de demain osent. Questionner, éventuellement se remettre en question, mais toujours avec un peu d'audace et d'impertinence aussi. Alors moi, j'ai une vision très personnelle du recrutement, c'est-à-dire que je valorise beaucoup plus le soft skills que les hard skills. Et en fait, je pense que je préfère me passer d'un expert extraordinaire dans mon équipe qui n'aura pas, en fait, on va dire, l'esprit d'équipe que moi je recherche au quotidien. Donc au final, je préfère des fois chercher quelqu'un qui est finalement juste bienveillant, qui a la bonne volonté, qui est curieux, qui a envie de s'engager, avec qui je pense qu'on va bien travailler et on ira certainement beaucoup plus loin avec cette personne-là que d'avoir un expert qui, quelque part, n'arrive pas à englober et à ouvrir ses chakras pour accompagner la stratégie qu'on lui propose. Par exemple, j'ai pu mettre ma fille dans un stage de robotique, d'automatisation, d'initiation à des programmes informatiques et tout ça à l'âge de 7 ans. J'étais une gamer et pour s'assurer que j'avais du bon matériel, je montais mes PC. J'avais des potes avec qui on montait les PC. Et voilà, donc je pense que ça enrichit en fait cette curiosité.